Bonjour à notre maman Nayagat Drogba depuis Paris. Bonjour maman. Chantal Nouveau, merci d'être présent au cœur de cette émission. Le showbiz. Voilà, nous sommes au cœur de notre émission, le Showbiz Way, et sur le plateau de cette émission, nous recevons notre manager Gay Emma, c'est ça? Voilà, Emma Gay, qui est, lui, il est le manager de l'artiste international Amora Junior, voilà. Guillema est sur ce plateau pour échanger avec nous sur le plan du showbiz en général, du showbiz musical. Ouais, voilà. Et nous voulons saluer Saint-Jour Azio de Bleu-Léquin, leader vocal de ce grand groupe. Merci beaucoup d'être à ce rendez-vous. Et puis c'est le rendez-vous de tous les bords d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Alors, Manadja. Guillema, bonjour. Bonjour mon frère. Voilà, nous sommes très heureux de te recevoir sur le plateau de notre émission. Et là, ça peut parler du showbiz musical, ouais. Mais bien avant que nous entrons dans nos préoccupations, Manadja va saluer quand même tous ces ouais, Adèle Goulia. Il va les saluer en ouais. Et ça, on va entendre, entendre la voix, du canton Bow. Voilà. Alors, Guillema, les salutations, ouais. Merci, mon frère. Tout à l'heure, j'ai commencé à voir des personnes. J'ai eu ma marraine, Chantal Nouveau. J'étais vraiment très épaté. En même temps, quand en même temps, la saluer. La marraine, de cela n'est pas un oubli. Nous te saluons. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu as fait pour tout le monde. Adèle Goulia, Saint-Jean, tout le monde. Je parle maintenant encore pour vous saluer un peu, parce que on a remarqué que quand les bords viennent ici, ils ont souvent le poids là. C'est ça. Mais nous, on est tranquille. Mais Saint-Jean, quand lui passe, il frappe.
Bon, ça y est, c'est mon plus dire. Il frappe en gros, hein. C'est moi qui ai enseigné ça. C'est ça. Dans mon bon clair, c'est à mon. À mon sœur. À mon sœur. De nous, c'est un ouéji à plateau qui en est. Bon, on t'a donné le sou, on t'a éboudé. Donc là, tu es ouéji. Le motin, tu es dîner quoi de bon t'a dit. N'ayons pas si je bon dis à mon ciné, n'a dit qu'il est. Ne qu'à dire son mot l'eau. De nous, à mon dia, mon dos, plateau qui. Assez vite pas y en est. Maintenant, c'est quoi la qualité? De nous, c'est un qui est là. On l'a, c'est la vieille mamie qui voit la bonne sauce. Donc, nous, on va un peu, on donne la place à la nouvelle génération dans les décanes. De nous, on va un peu. Mais c'est un bar oui, son il a décidé de m'inviter pour qu'un peu, il éclaire un peu la lumière, un peu sur la carrière de mon artiste. De nous, qui est un tableau game. Mais maman Chantal, nous, Amoura pas sauté, Malanga pas sauté, groupe club Balam pas sauté, à Patros, c'est là, Patros, c'est là. C'est le dernier club, c'est le dernier club. Alors, oui, à Niawe, yo, donc, des yo, yo, moi, j'ai un mec, moi, yo, bah, question, ma pomme, Issa, comme on t'a qu'à l'union, l'oulé, à l'époque, on l'a. D'accord, voilà, Elvige en faveur de Dieu, merci beaucoup d'être là, que Dieu veille sur vous. Voilà, comme je l'ai dit, nous sommes au cœur de notre mission Showbiz, ouais, et nous recevons sur ce plateau le manager de notre artiste à nous tous, Amoura Junior, qui est un artiste international. Amoura Junior, qui vraiment est une référence en termes de musique tradie moderne, ouais, et surtout la bonne musique. Nous sommes vraiment très heureux de recevoir sur ce plateau son manager. Alors, bien avant que nous venions encore à son manager, qui le manager que nous avons écouté tout à l'heure, on va suivre un clip de Amoura Junior, vous et moi. Et puis ensuite, on reviendra sur ce plateau pour écouter Amoura Junior. Voilà. Voilà, on va ensemble. Ah, ça y est, pour vous, vous l'avez dit, ah, non, ah, oui, c'est bon, ça y est, pour vous.
tout. Nous sommes à nouveau sur le plateau avec, là nous avons suivi l'artiste Amora Junior, un artiste international. Vraiment Amora Junior, c'est toute une bibliothèque hein, de la musique tradie moderne, ouais, c'est toute une référence. Et nous sommes avec son manager. Si vous avez des questions aussi à poser à son manager, n'hésitez pas de le faire, hein, ça ne pose aucun problème. Le manager sur ce plateau, il va répondre à toutes les questions que vous pouvez vraiment poser. Alors nous, notre première question que nous pouvons poser à notre manager, alors, tes relations avec l'artiste Amora Junior, nous avons appris que ces relations avaient pris un coup. Alors, qu'en était-il? Merci mon frère. C'est un showbiz, hein? Donc le bus est très chaud. Chacun dit des choses qui sont vraiment à leur avantage. N'en est rien. Ce sont des bons thèmes. Déjà, dans le coulisses, j'ai déjà dit que c'est une sorte de famille dans un premier temps. Et puis, de deux, ce genre de boulot, quand tu fais, il ne faut pas beaucoup écouter les gens. Faire ce qui devient vraiment dans le cœur. Donc, on a décidément aucun problème. Depuis bientôt 8 ans, 10 ans, on est dedans. Depuis 2013, il n'y a plus la carrière de l'artiste en main. De là, il est parti en Europe, il est revenu. On a essayé de créer le groupe Amora Production. La marraine, tout à l'heure, il était pas Chantal Noh, qui a toujours été nos marraines, qui a tout financé pour nous et tout ça. Voilà. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, je suis le responsable de la suite Amora Production. Donc, tout à l'heure, tu as vu comment ça s'est passé. Donc, il n'y a pas de problème. L'artiste est tranquille. La carrière est gérée par son manager. Je suis le seul à décider. Et c'est tranquille, quoi. Alors, cette division entre le manager. Guéyema et puis Amora. Alors, c'était le manager qui était fâché. Il y a eu des divisions, je viens de dire, il n'y a pas de division. Tu sais, le chef de. Un petit palabre, quoi. Jamais. Une incompréhension. Jamais. Alors, pourquoi chacun avait son côté? Non, ça dit, moi, je vais t'expliquer un truc techniquement. Je suis. Je suis souvent. L'artiste est basé à Bulikin. Parce que lui m'a dit, maman, il y a vraiment. Abidjan, c'est un peu compliqué pour moi. Moi, mon inspiration vient de là où je suis. Donc, je pense que quand il vient à Abidjan, c'est trop, c'est 3 mois. La première fois, il a fait 6 mois à Abidjan, c'est que c'est comme pour parler de la soirée des Aïpopo. Il a fait 6 mois à Abidjan avec moi. Sur la tige de Bazo, je suis à Abidjan. J'ai mes activités vraiment propres à moi que j'ai fait. Donc, ce qui fait que je ne peux pas être toujours ensemble avec l'artiste. Donc, lui-même, il le sait. Il sait que son manga m'a occupé par certains trucs. Mais il y a toujours un temps, comme aujourd'hui par exemple, je suis là avec toi. Ça dit, j'ai fait mon programme depuis deux semaines avec toi. Aujourd'hui, je suis là. Donc, il n'y a pas de problème. Mais les gens disent des choses qui peuvent les arranger de temps en temps. Mais nous, on est tranquille. Jusqu'à preuve du contraire, le contrat d'Amora Junior, c'est Emma Guy qui gère ça. D'accord. Donc, ça dit, à part moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut décider. Donc, je pense que l'artiste, il est témoin. Si tu veux l'appeler, tu vas lui demander. Dans tous les cas, aux dernières nouvelles, c'est que les relations vont excellemment bien entre son manager. Ça a toujours été bien. Ça a toujours été comme ça. D'accord. Ouais. Alors, entre-temps, il y a eu. Il y a eu un souci entre Amora et l'artiste
superstar de Diboké, là-bas à Diboké, ce que nous avons appris. C'est les supporters de superstar ont eu à lapider Amora Junior. Alors, c'était vrai? De quoi s'agit-il effectivement? Est-ce que le manager avait connaissance de cette situation qui n'a vraiment pas plu à Amora Junior, qui était un artiste international? Nous avons vu Superstar qui a présenté ses excuses de façon officielle sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que son manager avait été informé de cette situation? Merci, mon Paul Wilson. Mmh. Tu sais, moi, je suis vraiment pragmatique. Il y a des choses qui ne rentrent pas dedans. Mmh. Moi, j'ai tout à l'heure, avant de prendre la parole, j'ai dit on doit faire de la place à la génération montante. Mmh. Superstar fait partie de la génération montante qui vient du même carton que nous. Amora Junior, aujourd'hui, n'a pas à concurrencer qui que ce soit. Mmh. Donc, les fans ont un problème avec eux. Pas même les artistes n'ont aucun problème. Mmh. Ça dit, quand tu as envie de franchir les échelons, tu te compares au plus fort. Mmh. Ça, c'est pas un débat. Mmh. Donc, c'est dans ça ils sont arrivés. Mais l'émotion a pris le dessus. Mmh. Et le fanatisme, toi, tu sais, ça a pris le dessus. C'était même un incident qui n'a pas été cautionné par Superstar, c'est qu'ils sachent. Mmh. Parce que moi, j'ai eu à causer avec le manager Rangi et les autres. Et moi, en tant que manager, en tant que le doyen de manager de chez nous, il a invité les deux groupes et il a essayé de suivre certains trucs. Il a expliqué ça. Effectivement, ça a failli dégénérer, mais ce n'était pas vraiment dans l'intention de Superstar de boycotter l'année. Mmh. Donc, nous, on a essayé de gérer ça. Et jusqu'à plus du contraire, je suis encore fou au moulin pour que ça soit vraiment satisfait par une bonne soirée où il va prendre les deux artistes, et Rangi et moi, et tous les doyens de chez nous pour qu'on puisse régler ça à l'amiable. Parce que c'est des fans qui mènent les artistes en parade. Mmh. Amora n'a jamais essayé d'injurer Kalou. Kalou aussi, c'est la même chose avec son petit frère à baiser. Mais c'est les dit. Ça dit, c'est même pas la même chose. Amora, c'est depuis 2008. Superstar est venu en 2017. Mmh. Donc, ils sont vraiment en plein apprentissage. Mais c'est un groupe qui vient en vogue. Il faut que nous les accompagnions. C'est pourquoi il dit tout à l'heure que nous, on doit faire de la place à la jeunesse. De temps en temps, on revient pour leur dire que vraiment, on n'a pas fini. Donc, mais est-ce qu'il s'agit de faire de la place à la jeunesse ou bien il s'agit d'accepter la jeunesse sur cette place-là pour que chacun évolue? Nous, on n'a aucun problème. Nous, on a déjà accepté. Mmh. Je peux te rappeler un peu, je crois bien, en 2017, quand on est parti avec Samy à Calaisien pour sa première édition de Bois Marie. Mmh. C'est comme ça que j'ai découvert Superstar. Et en ce moment-là, c'était vraiment l'harmonie tranquillement. Mmh. Avec les nés, avec tous les dévanciers. Comme Amora a pris auprès d'Azio, avec le groupe Tignu à l'Eroja. Tignu a pris Amora pour aller, Azio a pris Amora pour aller faire le tour avec eux partout dans les cartons. Bon, dans les cartons, il y a chez toi là-bas, à Gagnéa, tout et tout. Et c'est après, l'enfant est venu à Budget, puis il a fait son truc, et puis c'est sorti. Mmh. Donc il faut apprendre auprès des aînés. C'est que nous disons aujourd'hui aux autres de désarmer les cœurs. Parce que Amora ne peut pas aller revenir en arrière. 8 ans après venir concurrencer Superstar, c'est pas possible. Mmh. Quand on compare Superstar à Amora, c'est de bonnes gains, mais c'est pas la même chose. D'accord. Je pense qu'il est dû aux gens de se calmer un peu, mmh. parce que nous n'avons rien contre nos petits frères. Mmh. C'est une génération vraiment qui a de l'avenir. Mmh. Ils ont fait un motivement qui est solide depuis Morovia qui a écouté hier. Mmh. Ils m'ont dit à Kalou, vraiment chapeau mon petit frère, tu as fait du bon boulot. Nous, on n'est pas là pour les. Tu sais, on n'est pas là pour concurrencer les gens. C'est quand les gens me disent ce qu'ils pensent, hein. Mmh. Mais nous disons à tout moment, chacun à sa place. Mmh. Quand la nature t'a béni, il faut aussi bénir les autres. Il faut partager la bénédiction à tout le monde. D'accord. Voilà. Nous, alors, quand, lorsque le manager de Amora a appris cette histoire, dans quel état le manager était? Il m'a tout fâché, pas content du tout que ça puisse se passer ainsi parce qu'il s'agit de manager d'un artiste international. Alors, dans quel état, au prime abord, le manager était? J'étais pas content. Mmh. Mais en même temps, j'ai un comportement que les autres n'ont pas. Mmh. C'est-à-dire, il sait me calmer, il sait dire les choses, et puis il pose les pommes telles qu'elles sont. C'est ça. Il ne m'énerve pas pour dire des choses parce qu'il peut dire. Mmh. Donc, quand j'ai appris, je me suis adressé directement à Rangi. Mmh. Rangi m'a fait le retour. J'ai parlé à lui local de Superstar. Mmh. Grand frère, vraiment, nous n'étions pas au village, moi j'étais à Abidjan. Voilà ce qui s'est passé. Vraiment, moi, ils ne savent pas plus et tout et tout. Mmh. Voilà. Déjà, parce que pour ne pas écouter le lundi, Amora, lui, il ne m'a jamais fait des rapports. Ça, il veut dire la vérité. Il ne m'a jamais appelé pour me dire quoi que ce soit. C'est ça. C'est moi qui n'ai pas pu lui demander, mais ce qui s'est passé, il dit non, c'est bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Mm-hmm. Donc, après il ça, a fait plaisir. Il a fait plaisir tranquillement, moi, mm-hmm. je le connais. Là, il m'a dit non, grand frère, c'était rien. Bon, c'était les enfants qui ont bu, qui n'étaient pas, qui ont payé le contrôle. C'est ça. Donc, après, Kalou m'a dit mon grand frère, moi, nous, ça nous a beaucoup gêné. Ce que vous ne savez pas, c'est que ma mère venait de Diboké. Mm-hmm.
Kalou fille, mon, Kalou est mon grand-père. D'accord, un docteur te demande de parler un peu fort. Hein. Ok, d'accord. Donc, mm-hmm. Kalou, c'est mon nom. Donc, ma mère est de Diboké. Mm-hmm. Donc, moi, je suis mes grands-parents. Donc, quand il y a quelque chose à dire à Kalou, en tant que neveu, il dit ce qu'il pense. Mm-hmm. Donc, effectivement, il m'a c'est, d'abord, avant de parler, grand-frère, excuse-moi. Après, moi, c'est pas dit à Diboké, c'est pas moi, dit, c'est moi. Mm-hmm. Donc, ce truc, derrière moi, j'ai pris ça à côté, il y a Amoura, ils sont tombés. On va essayer de voir. Donc, il y a déjà des grands frères. Comme nos grands frères, Capitaine Gouagnon, Keshi, qui m'ont appelé, mon petit frère, on va essayer de voir mm-hmm. pour vous mettre ensemble. Tu vas intervenir pour mettre les. C'est pas à faire des discussions, et puis bien, on va faire une justice, c'est pas ça. Mm-hmm. Tu viens, tu interviens en tant que doyen de manager, et puis on essaie d'avancer avec ça. Et puis, il n'y a pas de souci. Donc, c'est dans cette optique que nous sommes, donc il n'y a pas de palabre. C'est les petits frères, grands frères, on va ensemble tranquillement. Rangez-moi, il n'y a pas de problème. Souvent, on peut être un pour l'État. Tout à l'heure, il m'a envoyé un message quand il est venu ici. Mais en temps normal, hein, une telle situation dans le showbiz musical, ouais, mm-hmm. Le manager, Randy Manadia, qui est le manager de Superstar, mm-hmm. c'est vrai que les Superstars ont officiellement présenté leurs excuses, tout ça, mais le manager devait avoir une réaction sur les réseaux sociaux. Et sur sa page officielle, on devait voir le manager, Randy Manadia, officiellement présenter ses excuses, mais on n'a pas vu ça sur sa page officielle, on a vu ça sur la page officielle de l'artiste au Superstar de Diboké. Alors, comment, est-ce que le manager Gueyema, que s'est-il passé? Tu sais, oui, ça, mm-hmm. moi je dis toujours, peu importe, mm-hmm. que ce soit calme, nous ne sommes pas la fin des palabres. C'est ça. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit apporter de la joie. Mm-hmm. Nous exportons que de la joie et de la gaieté à tout le monde. Mm-hmm. Donc si nous on commence à se discuter devant les fans qui doivent se réjouir de ce que nous on fait comme les autres, ça ne sert à rien. C'est ça. Donc déjà après, M. Kalou a dit ça qu'ils sont joués à Kalou pour dire pardon, mais vous excusez. Mm-hmm. Pourquoi alors aller de côté chercher quelqu'un d'autre derrière? Nous, je ne sais pas des paroles. Mm-hmm. Donc ça veut dire que ce n'est même pas Kalou qui a l'habité à Moura, ce sont ses fans. Mm-hmm. Est-ce qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord? Qui sait? Mais si c'est déjà dit, excusez-moi ce qui s'est passé à partir de mon village, je ne suis pas d'accord avec eux. Ça veut dire déjà. Il s'est dit à de ce qu'ils ont fait. C'est donc, ça. Moi, il m'en tient à ça. Le reste, ça, c'est pas mon problème. Mm-hmm. Quand il se plaint, bien, non. C'est déjà, pour moi, c'est déjà un fait qui est déjà propre. Mm-hmm. Après, mon Kalou a dit, ou bien, je fais ça, a dit grand frère, vraiment, ou bien Amoura, excusez-nous, c'est tout. Moi, on n'a pas besoin de que Rangi parle, il ne parle pas. Mm-hmm. Rangi a déjà parlé à travers ses artistes. Voilà. D'accord. Voilà. Alors donc, quel appel le manager Gueyema peut lancer aux fans des différents artistes? Quel message en tant qu'un doyen des managers? Tu es un ancien, tu n'es pas le manager qui date d'aujourd'hui et c'est pas aujourd'hui qu'on parle de Gueyema. Alors, quel message fort que le manager Gueyema peut lancer au fond des artistes? Je dirais à mes petits frères et oui, mes grands frères ou bien mes soeurs qui sont dans différents fan clubs. Mm-hmm. Ils ont besoin de vous entendre, non? Le fan club, je vais leur expliquer, ils vont comprendre. Mm-hmm. Fan club d'un artiste, c'est pas ceux-là même qui organisent les clashs entre les artistes. Mm-hmm. Aujourd'hui, Kalou a besoin de faire une promotion vers l'Occident, mm-hmm. ou bien vers l'Amérique. Si Kalou a besoin lui, d'une somme pour pouvoir entrer à l'ambassade de l'Amérique, les fans doivent cotiser pour lui. Mmh. C'est ça qu'on appelle les fans. Mmh. Si Kalou fait un t-shirt qu'on doit payer à 500 et dit non, on paye ça à 1000 francs pour qu'il ait un gain. Mmh. Ce n'est pas en lapidant à Moura que Kalou va avoir du succès. C'est ça. Kalou ne peut pas se limiter à Diboké. Mmh. Amoura non plus ne peut pas se limiter à Kibli. Mmh. Aujourd'hui, là, moi je suis à la TIC depuis 2013, on a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Mmh. Nous jouons à Tanda, nous jouons à Korogo, nous jouons à Chose, on appelle. Au sud, partout, à Denané, à le Libéria, partout jusqu'à Accra, à Réveni, Morovia. Ça veut dire, les gens sont partout. Mais quand vous posez des gens, est-ce que vous pouvez suivre votre artiste jusqu'à ce que où il sera un jour pour vous, serez là pour les défendre? Mm-hmm. Donc, moi je leur demande tout simplement, les fans, quand on dit fan d'un artiste, mm-hmm. c'est celui qui est prêt. Moi qui suis artiste, je suis marié, qui suis ici là. Demandez aujourd'hui à Aubin Diaye et puis Rangi lui-même. Mm-hmm. Quand à chaque fois qu'il y a un artiste d'un artiste, quand il y a le premier, il va d'abord à la caisse pour acheter mes deux CD. Mm-hmm. Parce que c'est nous, on doit donner l'exemple. C'est ça. Donc, ce que ma mère demande aujourd'hui, là, il doit se mettre dans la tête. Aimer un artiste, ce n'est pas de les opposer. Mm-hmm. C'est de veiller à leur promotion, c'est de veiller à leur succès. Mm-hmm. Comment ça se passe? Kalou arrive à Diboké aujourd'hui, l'entraîneur de la sous-région, dès qu'il rentre avant son arrivée à Diboké, déjà, vous avez fini de cotiser, dès qu'il arrive là, on tient une bête, on fait une grosse soirée, on lui fait des offres.
D'accord. Alors, donc, il faut retenir hein, les artistes, les fans des artistes tradis modernes. Ouais. Ce qui s'est passé à Gboki, c'est ça, dans le canton Gbo, ouais, où les fans de superstars ont eu à jeter des pierres à Amora Junior, c'est des actes qu'il ne faut pas faire, qu'il faut éviter, même si on a, même, quelles que soient les raisons qu'on peut avoir. Il faut éviter. Il n'y a aucune raison. Quelqu'un va dans un village pour égayer des gens, il n'est pas venu avec une machine, il n'est pas venu acheter des gens. C'est ça. Qu'est-ce qu'il peut aider avec quelqu'un pour l'habiter une personne? Mais si on rentre dans les détails, ça ne va pas nous arranger. Voilà. Mais nous autres, on l'a dit simplement, en tant que des doyens, nous, c'est pourquoi tu dis souvent, moi, il ne répond pas aux attaques. C'est ça. Parce que pour être plus fort aussi, étant donné, c'est de savoir écouter, puis répondre dans le silence. Parce que nous, on est toujours, on est obligé d'être tout devant. C'est ça. Parce qu'on nous connaît pour ça, c'est pas la mort qui peut nous enlever, tu peux pas t'enlever dans ça. Tu es couché, tu as fait, tu n'as pas fait, tu as fait. Donc aujourd'hui, on est obligé de se mettre. Donc moi, il a dit simplement, arrêtez de salir les artistes. Le groupe Superstar de Gboki, ils ont un avenir, personne ne peut les regarder de la génération aujourd'hui. Ces gens, vraiment, ils sont venus en grand enjambé. Il faut que nous soyons dans le cadre. Parce que nous sommes habillés ici, là. C'est nous, on peut dire, ici, on rentre. Amora, c'est un alpha blondie. C'est tranquille. Voilà. Alpha, c'est un alpha blondie. Amora a recruté un groupe de Gboki, on appelle aujourd'hui, un des bonnes systèmes de Gboki, qui ont fait 3 mois à Abidjan, qui sont en Chido, qui sont bientôt. Amora production en termes de produits. Ils viennent de Gboki. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème en Gboki et puis Amora. C'est ça. Donc, ça veut dire ne créez pas de problème où il n'y en a pas. Donc, je pense que ce problème est déjà réglé par les deux managers. Et nous allons voir les cadres. Et puis, on va clore ça. On va créer une belle fête. Et puis on va se séparer tranquillement. Et puis il y a des artistes qui vont faire un single après. D'accord. Voilà. Donc merci beaucoup au manager Randy Manaja pour l'esprit fair play et pour vraiment pour avoir rapproché, de s'être rapproché du manager Gayima pour s'excuser. Voilà, qui s'est excusé. Et c'est ça aussi la grandeur d'un manager. Randy Manaja n'a jamais cautionné tous les actes qui rentrent pas dans le cadre de l'harmonisation des relations fraternelles. Voilà. Alors, il faut dire aussi que au fond des artistes tradis modernes, ouais, quand on est fan d'un artiste, ça ne veut pas dire qu'on doit être conduit à s'attaquer à un autre artiste, à saboter, parce que tous les artistes nous appartiennent. Même quand on est fan d'un artiste, l'autre artiste aussi, il a des fans. Il a ses fans. L'autre aussi, artiste, a ses fans. Alors donc, il ne s'agit pas que les fans de l'autre artiste s'attaquent à l'autre artiste. Ça, ce n'est pas acceptable. Je vois voilà. Un fait. C'est que les gens oublient. Amora Junior, c'est un enfant de Gboki. Le père Manga est père à son âme, qui est le père spirituel d'Amora, qui a même produit ce son que m'a découlé, qui a été produit en 2010. 2010, c'était en studio, c'est là la guerre s'est éclatée. Amora, le premier pas de la musique où il chantait encore avec sa guitare, il s'est promené dans les villages, ça a Gboki qui a commencé. Donc, Amora, aujourd'hui, il a été adopté par les Gbokois. Yes, donc, rien ne peut imaginer qu'ils vont le vomir un coup. C'est pas possible. Donc, ne disons pas les choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'on ne rentre pas dans ce débat parce que nous sommes tous les mêmes. On a vécu beaucoup de choses que nous avons fait mal. Aujourd'hui, on a besoin vraiment d'être ensemble pour pouvoir avancer. Le PWR a besoin de se souder. Tout à fait. Avancer. Voilà. Donc, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Tout ça. Donc, déjà, comme les petits frères ont compris, nous, les grands frères, on a compris. Amora, c'est pas au courant. Et là, il faut quand même saluer Superstar qui a eu vraiment le courage d'adresser une lettre d'excuse officielle sur sa page Facebook. Et ça, nous avons lu ça, c'était formidable. C'était formidable, ça montre effectivement que c'est des jeunes gens qui sont caractérisés par l'humilité. Alors ça, ils ont reconnu que l'alpha blondie du canton Bao, qui est Amora. Les jeunes l'appellent Yorobo du canton. Le Yorobo du canton, non, le Yorobo, c'est Azio de Blue-Lequin. Voilà, ah oui, il ne faut pas mélanger les choses. Le Yorobo, c'est Azio de Blue-Lequin, Amora, c'est l'alpha blondie. Voilà. Azio, Azio Blue-Lequin, c'est le Yorobo. Voilà, c'est l'Arafat. D'accord. Donc, voilà. Oui, ce que je voulais ajouter, avant qu'on ne continue, c'est que vraiment, souvent quand nous répondons pas sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas parlé. C'est ça. C'est ce que l'on dit qu'on peut interpréter. Si ce n'est pas dit, on peut interpréter. Donc vraiment, on a envie vraiment qu'on atteigne la rage de guerre. Il n'y a même pas de guerre qui existe, on ne peut pas bloquer les paroles inutiles. Donc aujourd'hui, je dis à mes petits frères, Abézé et Kalou,
Moi, je vous ai tout mon soutien. Je ne suis pas hypocrite. Mais les portes sont ouvertes. Moi, je sais que quelqu'un ne force pas les choses. Quand tu as besoin de moi, j'ai la disposition. C'est ça. Vous ne m'avez pas encore sollicité, vous ne me sentez pas. C'est ça. Le vous allez me solliciter, je vais vous faire rendez-vous, vous voulez rentrer là. Ok. Donc, pour le moment, je pense que quand ça marche, vous devez être irrégable. Sur moi, si on dit, c'est pas bien de publicité. Je ne sais même pas ce qu'on change de nom, ce n'est pas mon affaire. C'est ça. Mais moi, je vais pas pousser les gens. Moi, mon nom, je vais changer quelque chose sur l'humanité. Ça sert à quoi mon nom? Moi, je suis trop petit en bas. C'est ça. Mais où je peux rentrer là? Je vous jure qu'il y a rien qui peut rentrer là. Maman, j'entends manière à Paris, essaie. D'accord. Alors, je vais profiter déjà pour saluer dignement tous ces fils et filles du peuple. Ouais, voilà. Adèle Goulia, Marcel DC, Mathieu Ouli, adjudant, qui vient de briller par un succès à son concours. Ouais. Et ça, nous en sommes fiers, c'est le peuple ouais, qui gagne. Voilà. Adèle Oulia, Chantal Nou, Edmond Taou. Bou, Gisèle, ma cousine, voilà, elle me suit beaucoup. Voilà, Zéro d'abord, elle aussi me suit beaucoup, je suis content. Voilà, et puis Thiédé Marie, merci beaucoup. Dieu continuera toujours de terminer le travail qu'il a commencé auprès de ta fille. Alors, la fidélité de Dieu est grande, la fidélité de Dieu est grande. Nous sommes dans le mystère caché de la parole de Dieu. Ta fille est richement bénie, elle va accoucher sans problème et puis l'enfant va porter un si beau nom que toi-même tu vas lui donner. Nous sommes contents, voilà. Alors, People Song, merci beaucoup d'être là. Nous saluons Annie Sétien, Yataou, Patrice Faye. On salue Gay Augustin, le président Choco. Il est le président de la fédération du canton Niaosu. Voilà, nous saluons Randy Manadia, Olivier Didier Ba, Monyou Tarliou, nous te saluons. Sa Monsieur, bonjour. Honorable Guyavé Serodé aussi, nous saluons notre honorable qui met toi beaucoup d'interviews. Voilà. Il y a un truc que vous avez fait remarquer. Voilà. Rangi a réagi. Bon, alors, Rangi nous dit valorisons le talent de nos artistes. On a prévu un single pour les deux. Merci beaucoup. Florencia, merci d'être là. Voilà. Alors, un single est prévu. Comment s'appelle ce Florencia? Edoxi Yaoudi Kavali. D'accord. Edoxi Yaoudi Kavali. Florencia, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous revenons un peu quelques années en arrière. D'accord. Vous avez organisé un spectacle aux sapeurs-pompiers. Aux sapeurs-pompiers militaires de la commune de Yopougon. Et là, le groupe Info Gagna, qui était à ce grand rendez-vous, vous a critiqué sévèrement que le manager n'a pas tout mis en œuvre, le spectacle s'est tenu dans le noir. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir votre droit de réponse au groupe Info Gagnant. Donc, le peuple, on vous écoute. Alors, excusez-moi de rigoler un peu parce que. Merci, mon frère Wilson. D'accord. C'est ça aussi. C'est ça. Tu sais, il y en a qui m'ont interpellé à minuit, il était à l'hôtel à M.L.A.T., chacun dans sa chambre, et puis il voit un message. Mais il faut réagir, il t'attaque, il faut réagir. Il dit, mais c'est mon frère, il m'a attaqué. Lui, il ne sait pas ce qu'il est venu voir de ma part, il me dit, ah, c'est pas un problème pour moi. Mais je te dis une chose, Amoura, c'est un natif vraiment petit de talent. Il est depuis 2008. Imaginez un peu, Boa Baya qui est sorti, sans promotion, qui est parti partout dans le monde. Il a eu plus de 3-4 managers. Même pas un seul, une seule soirée ou bien une dédicace. Je viens en 2013 à l'occasion du décès de M. Mangaye, où j'ai produit les deux sons de l'hommage. C'est comme ça, on rentre en conclave. On me dit, bon, on te confie l'artiste. Moi, si dans le show business européen, je n'étais pas dans le web. Donc, j'ai appris un peu auprès de mon artiste. Et en ce moment-là, on crée Amoura Production. On rentre après celui de Paris, quand il a fini de faire sa tournée en Europe, quand il est rentré. On rentre en studio, on fait 6 mois, on finit. Sur 1 an et demi, tout est déjà eu lieu, il a trouvé la marraine Chantal Nouveau qui nous a pu avec tout ce qu'on a demandé. Avec, sans oublier, chaque a filmé et puis les autres. Donc là, papa, il n'oublie pas, mais c'est Kadé Frit, monsieur Bouman. Mais là, Chantal Nouveau a quand même beaucoup fait. Vous citez son nom plusieurs fois. Je dois le faire. Parce que je n'ai pas l'occasion souvent de parler sur les réseaux sociaux. Donc quand il y a l'occasion, il faut qu'il parle de et ça. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est l'occasion. Parce que c'est. Il faut féliciter Chantal Nouveau. Aujourd'hui, je suis content qu'elle est vraiment avec tous les voix aujourd'hui, qu'elle a-t-il la connaissance. Parce que ça après de là, ils ont fait la découverte de Chantal Nouveau. C'est ça. Et c'est parce que c'est bien fait.
vous avez découvert, vous êtes le premier à avoir découvert le train trésor. Comme on creuse pour chercher de l'or, ouais. vous êtes tombé sur de l'or, vous avez récupéré, Je n'ai pas creusé, c'est ma grande sœur. Et vous l'avez trouvé, c'est votre grande sœur. On avait le même débit. Donc vous avez mis le diamant à disposition de tout le monde. Comme puisqu'elle fait ses actions, non pas dans les ouais, elle fait partout, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Ouais. Elle a une nationalité, elle sert tout le monde. C'est ça. Donc j'ai dit, maman, je veux que tu sais un peu dans ça, mais qu'est-ce que ça peut te faire si je fais ça? Non, vraiment, il y a bien de toi. D'accord. Voilà, donc qu'elle est arrivée. Elle n'a même pas laissé les moyens, elle m'a fait des hommes et l'argent. Donc vraiment, j'étais vraiment au parfum de ce que. Mais pour Amora, je vous explique aujourd'hui. Amora avait vraiment une carrière enrichissante depuis le début. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à tous ces encadreurs qui m'ont précédé. C'est ça. Il n'a jamais eu au moins une soirée en tant que telle. Donc moi, j'avais un défi à relever. C'est ça. Donc imagine-toi un peu les attaques physiques, les attaques, tout ce que tu peux imaginer. Donc, j'ai pas une salle où je peux contrôler. Si j'ai pas une salle fermée, ça serait compliqué pour moi. Ça va pas pour des militaires, c'est un camp militaire. Donc, j'ai alerté les militaires qui ont pris vraiment la sécurité. Mais la nuit, là, je vais faire venir un local de dernière génération. C'était pas facile vraiment donc, l'organisation de ce premier spectacle. La société n'a pas résisté à ça, ça a pris feu deux fois. Au moins, tu es arrivé, ça a pris feu deux fois. Deux fois. Donc, ils m'ont changé ça à deux reprises. C'est ça. J'ai prévu six projets. C'est pas de quatre qu'on grillait. Tout a pris feu. Tu as vu, on a essayé à faire les moyens de bord. La soirée s'est terminée jusqu'à 10h du matin. Jusqu'à 10h du matin. Sensuellement, j'ai salué Maurice Production qui était là sans découragement. Mon boss Topier qui était là, qui a filmé tout à un drone, magué dans le noir. Mais après, quand la lumière est venue, il est resté jusqu'à 8h, 9h puis il est rentré. D'accord. Donc, voilà le problème. Donc, Amora, c'est sa première dédicace qu'il a fait à Abidjan, c'est en 2017. On a dit qu'il était 2008, qui a fait le tour du monde sans promotion. Qui a vu, si c'est pas possible. Donc je me suis demandé... Un talent qui était caché. Je ne sais pas, parce que je me demande comment on peut avoir un artiste comme ça et puis ne pas exploiter ses œuvres. Donc avec le peu que moi j'ai fait, en même temps les contrats commençaient à poursuivre les œuvres. On lui dit peut-être dire qu'Amora Junior est le seul artiste dans tous les ouais qui a le cachet le plus lourd. Il ne dit pas ça ici. Pour la qualité de ses œuvres, pour la qualité de ses talents et pour puis, sa prestation. Il a vraiment de belles prestations. Donc le Dwayne Romy, dans son village natal, chaque année, chaque décembre, nous, on est un spectacle là-bas. D'accord. On peut revenir à l'amour entre le docteur Taou, Thierry et Amora. D'où est parti vraiment cet amour-là? C'est une histoire. C'est une histoire. Docteur Taou étant en service à Blocan en tant que médecin, c'est un monsieur vraiment qui n'a aucun problème. Il aime la joie, il aime l'or, il est gentil. Donc, Docteur Taou, il a bloqué dans le service, elle sort de sa balade. Il sait pas, il a aimé la chambre d'amour, mais il ne sait pas qui c'était. Oui, mais l'enfant est du village. Enquête après enquête, il retrouve le petit. Il dit, mais c'est toi qui chantes bien comme ça. Il a pris Amora. Il dit, bon, on va chez moi. Il y a une fête à faire là-bas. Une fois la personne d'Amora passée déjà, t'es fini, l'amour est venu. Docteur Taou aujourd'hui, il ne peut pas s'en parler d'Amora. Malgré l'éduquement, mais il investit plus sur l'artiste. Par rapport à, même peut-être que ça crée souvent la jalousie. Même quand je vois l'affaire, docteur nous a imposé. J'ai eu des dûs. Moi, mon frère, pays Marie, c'est. Il y a eu beaucoup de décisions. Mais docteur a dit non. Moi, mon artiste doit faire d'abord la première décision. Aujourd'hui, le manager pays Marius continue d'avoir de beaux souvenirs de cette première édition du Clash Musical qui a opposé Jaurès et Amora Junior. Alors, en tant que manager, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première édition de ce premier Clash? Tu sais, mon pote de Wilson, j'avais mon ami Beno et je suis au pays. Ce qui m'a fait mal un peu, c'est que l'intempérie a essayé de gâcher la fête. C'est ça. Mais il y avait quand même du monde. Oui, il y avait du monde, mais ce n'est pas ce qui était prévu. S'il n'y avait pas vraiment la pluie. Vraiment, donc, quand on est arrivé, tu sais, moi, Amora et moi, quand on voyait comme ça, sur les quais d'Amora, c'est les seuls jurés qu'on écoute à part Amora. C'est vraiment un excellent chanteur qu'il respecte. Et là, il faut que le manager pays Marius essaye de reprogrammer à nouveau ce spectacle que la pluie avait vraiment caché. On a une idée déjà. Essayez de rentrer en contact avec lui. On est en train de faire un plan déjà qui n'est pas dévoilé, mais sur le bateau. On va y revenir après ici. C'est ça. On va y revenir tout à l'heure. D'accord. Mais on va revenir encore en ce ici. Mais il y a quelque chose vraiment qui est en route. Mais le premier Clash Bouet a été vraiment à la hauteur. Vraiment un succès. On a eu droit à de belles prestations de la part de ces deux artistes. Jurek nous a inquiétés. Nous aussi, on n'a pas loupé. Donc vraiment, c'était bon. Et c'est ce que les gens voulaient voir. Et après, c'est terminé vraiment dans la symbiose.
Le parrain Taou est venu, il a fait ce qu'il devait faire, tout m'est parti satisfait. D'accord. Voilà, donc on va dire vraiment un grand merci à la présidente Chantal Noho. Et pour le dire, on va repartir encore pour suivre une belle prestation de Amora Junior. On va suivre ensemble. Yeah.
merci beaucoup. Nous sommes vraiment très très heureux d'avoir suivi encore la deuxième prestation d'Amoura. Et ça, c'était à Paris. Oui, c'était à Paris. 2014. Alors, 2014. Et là, tu avais déjà le contrôle du dossier. Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sous sûr. Ton mandat Amoura à Paris, dans quel état tu étais? Moi, je disais, il y avait des suspens jusqu'à la dernière minute. Hein. Suspense. Son année pour l'université, perd son âme sacrée. Deux fois l'ambassade. Deux fois l'ambassade. On a essayé, tenir un peu au plateau. Et non, on revenait après. C'est jusqu'à 3h du matin. On ne sait pas dans quel papier. Quel miracle. Le billet est sorti. Bon, il n'était même pas à la maison. J'ai fait un truc. J'étais allé faire un truc à mon service. Donc, depuis 16h, il m'appelle. Mon téléphone est déchargé. J'arrive, j'étais derrière l'aéroport. J'arrive, non, il faut aller toucher ton brief. T'attends, il est à l'aéroport. Ils sont juste à rien. Donc, après, mon grand frère qui est à Paris, qui m'appelle, il me dit, mais toi, tu es où depuis? Je me suis pas dit, bon, tu ne vois pas. Il m'a déchargé. Donc, moi, c'était vraiment émotion. C'était vraiment une expérience qui est vécue bon dans. Je ne sais pas comment il peut expliquer. Moi, j'étais tellement content. J'étais débordé par la chose, par l'émotion. Alors, le manager Gay Emma, à qui on confie la carrière de l'artiste Amoura, après que plusieurs managers aient succédé à cet artiste, arrive. Guillemard, et voici avec Guillemard, Amoura part en France. Il a fait l'Europe combien de fois? Une fois, mais il a fait il avait pratiquement 5 pays de l'Europe. La France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et la Belgique. Formidable. En tout cas, Guillemard, on peut dire que c'est la source de bonheur. Bien sûr. C'était vraiment un trio gagnant avec ses aînés. Il a dit merci à Sud Production, vraiment en ce temps, si toi avais vraiment, il a mis le paquet, et il a dit merci à tous les Ouais, Misabo, tous les ressortissants de Guimont et Cavalli. Moi, c'était vraiment la solidarité. C'est ce que nous demandons aujourd'hui à nos parents. Et là-bas, vraiment, ils ont été vraiment bien accueillis. La salle a défié du monde, l'artiste est venu me trouver habillé, il était très content. Bon, voilà, vraiment, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à un artiste. En tout cas, et Amoura, il faut dire que Amoura, il donne vraiment un bel exemple d'artiste. Voilà quelqu'un qui, quel que soit le contrat que Amoura peut avoir, il a toujours demandé à celui qui le sollicite de se référer toujours à son manager. C'est la tradition. Amoura n'a jamais sauté son manager. Son manager ne l'a jamais supplé aussi dans un spectacle dont il n'est pas informé. Et c'est ce que nous recherchons dans le milieu du showbiz. Le secret, c'est simple. C'est une éducation. Dès qu'il a voulu que j'ai sa carrière, on a assis et on a essayé de déposer certains trucs, les points sur les i, après de cet instant. Si tu penses que je suis capable de faire quelque chose, tu m'attends. Soit tu débutes tout seul. Parce que moi, si ça ne va pas, je mets la main à la poche. Donc, je ne sais pas pourquoi t'as mis le sourire, pas de faire quoi que ce soit. Donc, moi, je négocie ton cachet. Si je pense que ce n'est pas suffisant, tu prends tout seul. Moi, ce qui me revient, ce n'est pas bien, ce n'est pas trop important. Mais dans les coulisses, on dit que le manager de Amoura est beaucoup rigoureux. Et bizarrement, c'est ce qui donne aussi de bons résultats à ton artiste. Celui qui a dit n'a pas menti. Je me suis dit, il y en a qui t'appellent souvent, non, c'est un truc de. C'est une heure du temps. On s'en fout. Bon, c'est 30 minutes. L'artiste arrive, il va apporter, il va faire deux jours, si c'est rien. Il va faire une semaine, s'il n'est pas aimé, Mais ce sont des arafats quand même. Tout, voilà, donc quand il arrive, il ne manque pas bien une minute. Nous, on a pris des cachets, je me permets de dévoiler cet truc, on a pris des cachets de 600 000 francs. On arrive à faire oublier, le gars a reçu la scène, il n'est pas arrivé au milieu, on dit c'est fini. Et puis on est venu à Abidjan. Ça veut dire c'est un cadeau. Il nous voit à notre disposition, l'argent cadeau. Non, ça veut dire ce que vous dites là, c'est pas de sens. C'est quand même un artiste de gros calibre. Tu prends un artiste, tu payes son cachet, tu veux, tout le monde s'entend. L'artiste arrive aujourd'hui, et moi je te pose la question, on a combien de jours à faire avec toi? Vous venez vendredi, peut-être dimanche. Ok, là j'ai dit, on dit soir, bien samedi. Oh non, vous faites les deux jours, ok. On s'entend sur les deux jours, on arrive, Amoura va jouer les deux jours sans tricher. Mais quand dimanche arrive là, pour ne pas m'arrêter, c'est pourquoi toujours on est toujours à une voiture, on parle des voitures, les cas de transport. On a toujours une voiture avec un voyage. Donc c'est dit, quand on est prêt à partir, il démarre, moi, il s'est conduit, donc ça va. Donc c'est comme ça. Donc il faut respecter les artistes. Et les artistes aussi, il a dit, souvent, ça va de leur faute. On a certains managers aussi qui essaient de.
mais les artistes dans les conditions là, il ne faut pas. Non, souvent c'est pas aussi la faute de des managers, les artistes même souvent aussi, il est déjà à Divo, son manager même n'est même pas au courant qu'il est à Divo. C'est compliqué tout ça. Vive ça, chacun sa part de responsabilité. C'est ça. Si tu vois que l'artiste est attaché à son manager, c'est parce que les points sont toujours faits bien. C'est ça. Et la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord au départ. C'est tout. Alors donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu un accord au départ. C'est clair. Et c'est pour ça que nous avons ce genre de fruits. Moi, j'ai dit à mon artiste simplement, si le juge entend qu'aller jouer quelque part, s'il y a un problème, ne m'appelle pas. Même s'il doit aller jouer, même si son père l'envoie pour aller jouer dans un truc, il me dit, grand frère, on est un ami de famille. Il va là-bas ce soir. Il dit, mais toi aussi, tu es âgé maintenant petit, va aller jouer. Ça au moins, c'est de la considération. Tu vois? Maintenant, quand il dit souvent c'est la faute au manager aussi, c'est que. Il y a des gens, quand ils t'appellent pour un spectacle, moi, il y a des chiens qui sont venus habiller, c'est pas possible. On ne peut pas appeler un manager d'un artiste. Venez, on vous trouve un parrain, vous jouez, vous et nous, on partage 50-50. Bon, je ne peux pas comprendre ça comme ça. Mais c'est un monde de business. Non, là, nous sommes dans le monde des business. Pourquoi expliquer? Voilà, nous sommes dans le monde des business. Celui qui va écouter va entendre. Moi, j'étais financier de grandes voies de Côte d'Ivoire, vraiment de pointe. Il sait de quoi il s'agit. On appelle ça droit de bouchon. Tu invites un artiste. Quand il est dans ta boîte ou bien dans ton maquis, si tu te mets là pour le payer, tu dis, bon, ok, je fais ma bière à 500 francs. Mais à cause de toi, il met 100 francs dessus. S'il va 1000 bouteilles, tu prends les 100 francs qui te reviennent dessus. Mais tu ne dis pas un artiste. Si on donne 100 000 francs, tu es 50 000, tu as 50 000. Donc, ta personne qui vend là, lui, il gagne quoi dessus? Oui, mais c'est comme vous les parce managers. Parce que lui, il n'a pas du monde. Parce que tes créateurs sont là, mais lui, ses fans qui viennent, ils vont consommer là. Mais là, c'est comme vous les managers. Quand vous avez un contrat, vous mettez d'accord avec celui qui vous sollicite. Il est d'accord avec le cachet. S'il n'est pas d'accord avec le cachet, on laisse tomber. Mais on ne peut pas être d'accord avec le cachet. Et puis, quand on finit les prestations, on fait pas là-bas avec le manager. Sans cela, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec l'artiste, je suis d'accord avec toi. Voilà. Parce que moi, il y a eu des propositions comme ça. Amoura a joué seulement que dans un seul maquillage budget qu'on appelle Grand Ouest. Mais c'est Bocchio aujourd'hui qui connaît la valeur de l'artiste. Moi aussi, je connais sa valeur. Mon ami Serge Beno est témoin. Yves Beno m'a appelé une fois, Bocchio t'a appelé, on va faire une soirée. J'ai fait deux soirées avec Bocchio. Mais aujourd'hui, il sait ce qu'Amoura a apporté. Lui, il est venu me reconnaître ça. Mais je n'ai pas venu faire jouer mon artiste. Il y en a qui sont juste en cachet. Ils vont jouer dans ma question en cachet. Et ils continuent le travail. D'accord. Nous allons dire à Bonnebo Olivier Bar, nous allons dire aussi, nous allons saluer la baronne. Saluer la baronne 5 étoiles. Nous saluons Gay Chantal Elodie, Orange Money. Voilà. Sois bénie, ma petite soeur. C'est une petite soeur qui est vraiment bénie. D'accord. Voilà, vraiment, elle est bénie. Zaïcito Koudé, c'est notre grand frère. Aujourd'hui, c'est week-end. C'est mon grand frère. Alors, grand frère, aujourd'hui, c'est week-end. Alors, le portefeuille de ton petit frère est ouvert. J'attends. Je salue le boss. Voilà. Signe de production, vraiment. Grand frère, il t'a dit une fois. Il dit quoi qu'on dise, grâce à toi, la tise a mis les pieds. Sur le sol européen. Oui, mais Zaïcito, c'est le bateau de tout le monde. Non, quand on dit aujourd'hui, ils vont dire ce qu'on veut. Zaïcito a été le seul, il a été le premier. Donc il faut le respecter. Et là, Zaïcito, ça, je pense bien que grand frère, tu as entendu le message fort du manager d'Amoura. Vaille que vaille, coûte que coûte, quoi que soit ce qu'on dira. Il faut reconnaître que Zaïcito est vraiment le père de tous les bienfaits aux artistes au travail. Je vais t'expliquer, mon ami. Tu sais, quand un gars est beaucoup sollicité, autour de lui, là, il y a tellement de personnes. Pourtant, quand vous marchez sur les pieds, nous autres, c'est des tirs. Si on n'a rien fait de mal à quelqu'un, mais on pense qu'il a beaucoup d'enfants, ça naît. Nous, on a bien gagné pour nous, on s'est retiré. Voilà, Zaïcito, tu as trop d'enfants. On t'a pas oublié. T'as bien nous, nous sommes. Toi et puis Chino de Paris, vous avez trop d'enfants. Merci pour le travail pour l'artiste. Certains n'arrivent pas à manger. Voilà. Donc, ils sont beaucoup, les enfants. Nous, c'est nous, la dernière gagné, on kiffe. Ceux qui prennent de l'âge vont se chercher. Et puis les enfants qui sont encore au lait, Zaïcito et Chino de Paris vont essayer de leur donner encore. Ça, voilà, bien des choses à madame Zaïcito. Merci beaucoup d'être là. Voilà, alors nous sommes vraiment très heureux. Voilà, alors j'entends nous qui nous dit oui, ils ont fait fort en ce moment. Bon, en plus, il m'a abordé à trois mois de la soirée, même pas 3 mois. Elle a mis 3 mois. Faut le faire, hein. Ça a été très rapide. Je t'explique.
Amoura Boussa a démarré. Et Angela Zoué, bonjour. Merci ah oui, beaucoup d'être là. Angela. Merci beaucoup d'être là. Je ne t'ai pas oublié. Merci. D'accord. Angela, alors, viens à toi. À 3 mois de cette cérémonie, vous avez sollicité Chantal. Non, c'est pas facile. À 3 mois. Tu étais déjà à 1 mois et demi. Hein. Elle a dit 3 mois, c'est trop. À 1 mois et demi. J'ai commencé à conseiller tout le monde et j'ai vu que j'étais coincé. Parce que j'ai dit merci d'avoir mes parents. La famille Guéhi m'a beaucoup soutenu. Mon frère Guéhi, ma grande soeur, mon père, m'a beaucoup soutenu. Donc, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? J'ai dit, attends, il a appelé ma cassette pour voir. Parce qu'elle, non. Souvent, comme on va guérir, non, c'est compliqué pour moi. Donc, bon, j'ai essayé de l'appeler pour voir ce qu'elle va me dire. Donc, j'appelle. Elle dit, ah, grand soeur, vraiment, je suis au studio à mon artiste. Elle dit, mais moi, je ne comprends pas ce que vous dites, moi, ça peut m'intéresser. Il dit, ah, bref, faut faire quelque chose, tout ce d'avant. C'est la compagnie de Zolagui pour elle. Quand après Zolagui, en live, pendant qu'il jouait, il répétait, et puis il a mis le portable, elle a écouté. Elle a dit, mon petit frère, je vais investir dans ça. Tu veux combien? Il dit non, il ne peut pas, il n'a pas de demander, mais envoie-moi ce que tu peux m'envoyer. Il dit bon, 10 mois d'abord, les premières factures, je te paye ça en même temps. C'est comme ça, ça commence à moins de 3 mois, c'est 3 mois, c'est trop. Elle est arrivée, quand elle est arrivée de Paris, d'abord elle a fait une interview à mon lieu de à Paris, à Éthiopie, qu'elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle nous a fait tous les anciens droits du football ivoirien. Elle a fait venir Nash, elle a envoyé mon ami J.C. Marcel, le manager de Rio Siro, qui est manager aussi de Boni RAS. Tous ces gars étaient là ce jour-là. Ce que les gens ne disent pas souvent, c'est ça. Il y a un spectacle qui ne se ressemble pas. Donc, on ne peut pas dire des choses parce qu'il faut dire. Nous, on a frappé très, très fort. Nos doyens qui sont allés les cadets frises, on parlait pratiquement à 8 heures. Donc, aujourd'hui, quand on dit merci à Stando, c'est à cœur ouvert. Parce qu'il faut dire à l'homme ce que les gens ne savent pas. Bon, il n'y a pas le cadet aux gens. Là. Personne ne sait. Mais aujourd'hui, il y a une occasion devant un petit écran où tout le monde peut nous regarder. Et au moins, il y a plus de. Comme des personnes qui nous regardent, il faut dire pour nous reconnaître. Il y en a qui découvrent Chantal Renaud, et c'est pour moi. Moi, je n'ai pas lutté avec quelqu'un. Donc aujourd'hui, vraiment, ça lutte Chantal Renaud. Ça lutte. Chacun veut s'approprier la chose, l'être humain. Plutôt, chacun veut s'approprier l'être humain. Le manager Emma a l'impression que l'être humain l'échappe. Non, c'est pas nous, c'est pas du tout, pas du tout. Je sais qu'il y a tout. Je te dis qu'on habite le même village. D'accord. Tu vas me dire, non? Non, c'est opposé. Elle a au moins ici en bas. Non, c'est quelqu'un qui t'a parlé. Mais ça me dit plus qu'on te l'arrache. C'est pas possible. Il ne croit pas ça. D'accord. Voilà. Philly. Voilà, Zaïsito, voilà, comme je l'ai dit, on salue madame, on salue Philly. Dis à Philly que nous sommes très très heureux de l'avoir comme maman. Et puis, dis à maman aussi qu'on a besoin d'un peu d'argent pour payer les passes. Maman Philly, que Dieu te bénisse. La radio-télévision Presse Ouest, c'est pour toi. Et puis, on t'attend, il faut que tu viennes aussi sur le plateau pour que tu nous parles un peu on va parler un peu de la vie, la vie amoureuse même des femmes. On t'en parlera de ça. Il y a beaucoup de sujets. Landry Niaé, merci beaucoup d'être là, mon frère. Je suis toujours fier de toi. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Emma, nous sommes encore sur le plateau de notre émission. Alors, Amora, c'est en 2013 que tu as pris la gestion de la carrière de l'artiste. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Est-ce que le manager envisage un spectacle? Oui. Tout manager a pu des ambitions. Parce qu'après le sapeur-pompier, tu n'as plus fait de spectacle, on dirait. Oui, il a fait, mais tu vas savoir, c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi tu vas savoir. Ah, d'accord. Deux fois après, il a fait une fois Morovia, il a fait deux fois Zodrou. D'accord. Donc c'était. Ouais, c'est vrai, comme j'ai pas informé, parce que tu ne nous informes pas aussi quand c'est tu fais les spectacles hors d'Abidjan. C'est ça, parce que souvent, moi, je suis pas trop actif sur les réseaux sociaux. Mais il faut informer les maisons de communication. Maintenant que tu viens d'enlever ce fossé qui est en nous deux. Mais il n'y avait pas de fossé, en fait. Vous n'aimez pas trop la vérité de la presse. Et c'est ça qui vous fatigue. Non, mais dans tous les cas, on est ensemble. Voilà, et c'est pour quand déjà un autre spectacle à Abidjan? Déjà, l'artiste quitte bloqué plus tard le jeudi. Il sera avec nous ici pour soutenir vraiment nos grands-frères, nos papas, Kadé Félix qui a perdu son papa. Le même monsieur qui fait beaucoup pour les artistes. Et surtout pour Amoura Junior, qui fait beaucoup pour nous. On va le soutenir. Et après ça, on fait un tour à Info Gaïa. Parce que nous faisons aujourd'hui ici, Amoura a fait un dernier type qui doit vraiment faire le tour un peu. Il faut qu'elle doit mettre en ligne, on a bien fait vraiment un vrai challenge. C'est-à-dire, les filles, des hommes vont essayer de faire chacun face à des mots. La fille va venir les récompenser à partir d'une somme ou bien d'une recharge
téléphonique, tout ce qu'on essaie de faire ça. Donc, il est passé, c'est elle, l'artiste lui-même. Mm-hmm. C'est elle, vraiment, au plus tard, le jeudi, c'est elle. On doit faire le tour avant de partir au final du VP. Donc, ce que nous prévoyons maintenant, après ça, on a un giga concert à Monrovia dans le mois vraiment de juillet. Et puis voilà, invité par vraiment des personnalités libériennes qui m'ont déjà contacté. Donc, depuis les États-Unis, on a commencé à connaître certains trucs. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'artiste va rentrer en studio très bien. Bon, on fait toujours 3 ans. Ça dit qu'il faut épuiser le produit et pas avant de rentrer encore en studio. Pour ne pas faire passer. Parce que quand tu fais là, tu gagnes quoi dedans? Mais nous avons bénéficié des AIPOPO depuis là, on commence à payer. Donc il faut continuer à travailler comme ça. Donc l'artiste s'apprête à travailler au labo, il rentre bientôt. On va essayer de faire des notes avec notre arrangeur. Et puis on va s'envoler pour Monrovia très bientôt. Pour espérer, dès là qu'on revient, il y a quelque chose encore au programme à partir de août. D'accord. Voilà. Alors voilà, nous allons dire un merci à tous les fans d'Amora aux États-Unis, aux pays d'Arabes, ceux qui sont à Koweït, ceux qui sont en Arabie Saoudite. Non, on ne pourra pas citer tous les noms. Nous allons dire un merci à ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, en Afrique, ici, en Côte d'Ivoire. Un merci à tous les fans d'Amora, tous ceux qui soutiennent l'artiste. Alors, Maladia, tu as la parole. Je dis particulièrement merci à Angela Zoué, qui vient de passer tout à l'heure. Dédicat d'Amora Junior, je dis merci à sa personne de Témou. Je dis merci au grand frère Topier et sa femme. Je dis merci à M. Kadé Félix, Alain Noka, M. Flanté, qui n'était pas là, mais il s'est fait représenter. Aujourd'hui, je dis merci à tous nos cadres, Alain Noka et tout. À tous les Libériens aussi. Monsieur, je viens d'arriver. Monsieur Trazé Pancom. Et puis, il y a une dame qui s'appelle C.A.R. au Libéria, le maire des Odrou, qui s'appelle Rita. On a reçu tous ces moyens-là des personnes-là. Il y a Benoît Gallo depuis les États-Unis. Il y a aussi Messi Gallo depuis les États-Unis. Il y a Otello Brown, qui est mon cousin, qui est aux États-Unis. Il y a aussi Madame Parkinson Eto, qui est aux États-Unis, qui nous apporte beaucoup. Donc, il dit merci à toutes ces personnes. Il dit au Ghana, à Accra, il dit merci à Péchin Bébé. Il dit merci à Cherou, Poyekou. Il dit merci à Emerson Gara. Il dit merci à mon ami Denis. Il dit merci à son épouse, il dit merci encore à Chesor, il dit son nom, comment il appelle à Dian Chesor, il dit comment il appelle encore, j'oublie. Donc il y a tellement de monde, à mon ami Néa comme toi, un Néa de Akra qui nous a réussi, qui s'appelle vraiment, je vais dire son nom, il faut qu'il dise son nom, ce monsieur-là, c'est au Cladion, son nous a réussi chez lui à la maison, dans sa résidence, le monsieur l'a dépensé, il a depuis il peut dire $200. En espèce à l'artiste et son staff. Donc ces gens de personnes, on ne peut pas les oublier. Souvent quand on ne dit pas trop, les gens disent non, ils ne sont pas reconnaissants, mais on n'a pas le reconnaissance, mais tout le temps. Donc quand on rentre en studio aussi, c'est comme le gars dit, tu chantes bien, mais tu ne tiens pas fort. Mais on ne peut pas vous oublier. Mais c'est au fil de la musique qu'on peut remercier tout le monde. Ça dit souvent quand tu cites des noms dans les chansons, à un moment donné, la chanson n'a plus de sens. C'est pourquoi nous, on a décidé chez nous, on donne un nom, et puis vraiment on fait 20 spots, et puis après on passe à autre chose. Donc patientez-vous. Nous n'oublions personne. Il y en a qui passent, nous on oublie. Ça donne des épiques, souvent il y a des sangs. Mais nous on ne répond pas à ça. On sait ce qu'on fait. Nous savons ce que nous faisons, nous savons où nous battons. Donc je vous dis, on vous dit merci à tous les Européens, à mon grand frère Benabé, Guy Benabé à Paris. Merci encore à Maman Chantal Noho. Maman, s'il te plaît, pour prendre contact avec nous, nous sommes toujours avec toi. Ce que nous te demandons, ça dit, donne-nous ce que tu dois faire pour toi, on va le faire. On n'est pas à ta couverture à tout moment. Nous disons aussi merci à Adèle Gouya, ou la petite soeur. Vraiment, qui est vraiment fan d'Amora, qui est à tout moment en contact avec moi. Grand frère, il faut bouger, grand frère, fais ça. Par rapport à mon temps, mais tout le temps, il me bouscule. Bon, pour dire, il y a ma suite. Parce que le manager Gueyema, au-delà de sa fonction de manager, c'est un travailleur du privé. Bien sûr. Donc, beaucoup pris à Trècheville. C'est ça. Il est au cœur du port de Trècheville. Il fait tout à la fois. Merci beaucoup. Voilà. Alors, manager, nous sommes dans le showbiz. Ouais. Et là, le président Théo Béni Pénan, le président du collectif des communicateurs managers d'Artistes Ouest de Côte d'Ivoire. Alors, les relations avec Théo Béni, est-ce que aujourd'hui on peut féliciter le président Théo Béni Pénan? Est-ce que vraiment il a abattu un travail qui, au niveau du manager Gueyema, vraiment remarquant qu'on peut dire merci au président Théo Béni? Le grand frère Théo et moi, c'est un bon thème.
Mais la seule chose qui se passe, c'est qu'on se voit très rarement. Très rarement. Et puis, on n'a pas souvent le temps de travailler ensemble, de collaborer ensemble. Parce que Manadia Gueye est tout en partie. Entre Trècheville, Yopougon, Port-Boué, tout ça. Je suis souvent entre les deux frontières, Libéria, Ghana et tout ça. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas souvent le temps. Mais j'apprécie tout ce qu'ils font. Mais la seule chose que je peux dire à mon grand frère, c'est que nous sommes des petits frères. Mm. On apprend auprès d'eux. Je demande simplement juste une petite considération pour nous. Ça dit nous associer pendant qu'ils commencent. Par exemple, quand ils ont lancé la dernière compétition des artistes. La troisième édition des Awards de la musique. Ouais. C'est le groupe Sipasa et Diboké qui m'a invité. De la part de mes grands frères, je n'ai pas été invité. Alors, président Théobéni, voilà. Alors, donc, le manager Gueyema a dit qu'il n'a pas été invité de votre part. C'est Superstar qui l'a invité. Voilà. Il souhaite que les prochaines fois, il y ait vraiment des invitations à l'égard du manager. Pour qu'eux aussi se sentent associés à la chose. Voilà. Ce qui m'a fait un peu bizarre, c'est que j'arrive, j'entends le nom de mon artiste, Amoura, qui a été nominé. Il ne sait pas dans quelle catégorie. Souvent, c'est humiliant. Pour un artiste de grand calibre, qui a été nominé, je ne sais pas où. Et du coup, il n'a pas été récompensé à la fin. Soit il est tombé ou bien il est nul, c'est souvent ce qu'il déplore. Donc souvent... C'est un manque de communication. De communication. Donc j'aimerais que souvent, maintenant, on n'a qu'à dépasser certains trucs pour qu'on se parle. Parce que il y a le numéro de Théo. Le problème, c'est que le président Théo Béni Pénon, au stade d'aujourd'hui, il est tellement pris aussi que vous avez besoin aussi... la musique c'est dans tous les espaces, ouais, qui doit chaque jour réfléchir. On va parler de décès par là, on va parler de conflits ici. Moi, je le suis, hein. Tout ce bagage là. Si elle dit pas ça maintenant, c'est pas facile. C'est pour que vous aussi vous approchez de lui. Tu sais, info, si elle dit pas ça maintenant, je n'ai plus l'occasion de lui dire ça. Et c'est ça. nous autres qui sommes pas critiqués, on n'est pas hypocrite, on peut faire dire ce qu'on pense. C'est ça. Et quand le grand frère en prend l'autre, la prochaine fois. Il me dira, Emma, tu es où? Ou bien, bon, petit frère, la dame va t'appeler là, mais toi, tu fais quoi pour que tu viennes me voir? C'est ça. Pour me trouver là, si tu me chabilles bien, je suis ici, tout le monde là. Il faut que ce truc, c'est le grand frère qui doit établir tout ça. Je suis le petit frère, moi, il peut aller vers mon grand frère, mais où le trouver? Mm. Il est souvent pris par le conseil régional de Guémont. Oui, surtout qu'il travaille au conseil régional de Guémont. Il a un poste honorifique, voilà. Il a un poste digne de ce nom là-bas. Donc, nous, il est manager d'espace. Il est... C'est ça. Mais, quand même, vous appréciez beaucoup son humilité. Beaucoup. Mm-hmm. C'est un grand frère qui m'a toujours considéré. Moi, je te dis ce qui est clair. Mm-hmm. Théo m'a toujours respecté. Mon grand frère pays, Maruche, le salue au passage. Au début, tu sais, moi, je suis beaucoup réticent. Mm-hmm. Donc, quand je vois que les gens sont vraiment ouverts avec moi, je me donne. Je n'aime pas manquer de respect aux gens. Donc, je ne peux pas, comme faire la même chose. Donc, moi, je me réserve beaucoup. Donc, j'ai compris que pays, vraiment, fait un pas après le clash. Mon ami, c'est Bruno, mais on va dire qu'il vient des cavaliers, presque à cause de ça, oh, c'est pas ça. Mm-hmm. Il y a mon ami aussi, Botchou qui est là. Donc, vraiment, toutes ces personnes ont beaucoup de respect pour moi. Donc, la chose que je demande, je dis à mon grand frère souvent, s'il m'a mis au parfum, j'ai un artiste. Même s'il ne doit pas gagner ou pas, même s'il faut qu'on accorde pour que le public vienne, c'est un artiste qui compte, qui a ses comptes à lui. Donc, si on a suivi son image à bonne édition, peut-être qu'on allait avoir plus. En tout cas, là, c'est l'édition qui arrive, et pour les awards, et pour le clash musical. On pense bien que vraiment, on va faire appel à Mora, parce qu'il dresse du monde et puis peut faire un spectacle jusqu'au matin, tu n'auras jamais sommeil. Bien sûr, c'est ce que merci beaucoup. Voilà, nous sommes très heureux d'être avec sur ce plateau de notre émission, le showbiz, et avec, comme je l'ai dit, le manager international. Gueyema, et c'est avec lui que nous échangeons aujourd'hui au niveau de son artiste. Gueyema, est-ce que avec cette bonne somme d'expérience que tu as dans ce système-là, est-ce qu'il est facile vraiment d'être manager d'artiste? Tu sais, Wilson, ce boulot-là, personne ne peut se réclamer le plus fort. C'est ça. Chacun fait à son niveau ce qu'il peut faire. L'artiste, c'est ce qu'il apporte. Mm. Si depuis 2013 jusqu'à 2020, là, s'il n'était pas compétent, tu peux imaginer comment il a reçu plus de 4 mariages, plus de 6 mois. Mm-hmm. Et bientôt, on va dans 10 ans, qu'on est ensemble. Ça dit, c'est pourquoi souvent, pour pas dire à quelqu'un d'autre que moi je suis ton chef. Mm-hmm. Dans ce métier-là, on n'a pas de patron dedans. Mais on a les dévancés qu'on doit respecter. Mm-hmm. Point barre. Mais contact que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai dit et je répète, l'artiste qui a le cachet le plus élevé, c'est Amoura. Mm-hmm. Je mets quiconque au défi. Personnel, grand frère Boson, personnel. On s'est croisé une fois chez un gourou à Faya.
et on devait aller faire fête de la liberté à Gagnoua. Donc, Bouza a dit, mais dis frère, dis ton cachet, et puis il a dit, moi, après, maintenant, on va parler. Puisqu'on était assis, le monsieur, on a fini de déjeuner avec lui. Mm-hmm. Quand j'ai donné, il dit, mais tu as dépensé un moyen plan quoi? Il a dit, non, mais non, il dit, non, c'est ce que vous voyez habillé, si vous pouvez vous comprendre. Non, il dit, grand frère, c'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai le ministère ici petit, c'est pas fait des petits. Mm-hmm. Le boulot qu'on dit, on est venu faire là. Si on ne mérite pas, c'est seulement, on n'ira pas. Parce que quand il dit mon système là, il n'y a pas une demi-mesure. Il n'y a pas deux par deux mesures. Donc, l'artiste doit vraiment avoir tous les atouts. Quand tu es à l'aise dans ta peau, tu fais le boulot comme il se doit. Donc, moi, je n'ai pas vu un enfant qui a 20 clés à côté de moi pour dire va jouer, il ne peut pas le faire. C'est quoi? Même comme il est caché, c'est elle là. C'est quand il dit système là, puis il déballe l'enveloppe. On ne peut pas 5 francs dedans avant de bouger. Parce que je sais à quoi il a fait. Par exemple, le jour où on m'appelle à la police, il dit voilà son argent. Voilà ce qu'il m'a dit, je ne dois pas son argent. Comme ça, moi, il marche. Donc, aujourd'hui là, je pense que chacun dans son domaine est fort, mais ne minimise pas les autres, chacun à sa force. D'accord. Voilà, nous sommes à la fin de notre si belle émission. Déjà. Nous sommes vraiment à la fin. Et puis, voilà, nous allons suivre encore une dernière fois l'artiste Amoura qui vraiment fait la fierté du pays.
très heureux, hein, très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à nouveau sur notre plateau avec le manager d'Amora Junior. Un bonjour à Bruno Gnognon. Voilà. Béni la beauté de Dieu. Bonjour. Fabio Lili, gouverneur. Bonjour. Voilà, que je n'ai pas encore salué. Voilà. Vraiment très heureux. Voilà, Bruno Gnognon, moi, je t'attends toujours à Yopougon pour prendre ma bière. Je t'attends toujours. Je suis tellement pressé de causer avec Bruno Gnognon. C'est l'époque de mon boss. Hein, en tout cas, c'est l'un de mes meilleurs internautes. Ah bon, voilà. Hein? Bruno Gnognon, je ne cesserai jamais de prier pour toi. Salut, et cette fois-ci, dans ma veste d'apôtre de Christ, en tout cas, je vais toujours prier pour toi, comme je le fais pour nombreux d'ailleurs. Et puis, je l'ai toujours fait comme tu le sais. Que Dieu te bénisse ce week-end. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Maradja, nous sommes à la fin de notre émission. Alors, tes phrases, je ne dirais plus tes mots de fin, mais tes phrases de fin. Maman, à tout Seigneur, à tout honneur, je dis encore merci. Que ta voix porte. Je dis vraiment merci à Chantal Noho. Merci à ma grande soeur chérie. Parce que vraiment, pour tout ce qu'il a fait pour nous, j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur n'a pas oublié. Je dis vraiment merci à Chantal, et je dis merci à Angela Zoué, je dis merci à M. Kadé Félix, je dis merci encore à tous nos parents libériens et nos frères qui sont au Ghana. Parce qu'aujourd'hui, un artiste vit, il vit par rapport à ses fans. Un artiste qui n'a pas de fans n'existe pas. C'est ceux-là même qui payent nos œuvres, c'est eux qui viennent assister au spectacle. C'est ce qu'il dit tantôt aux enfants, aux fans de nos petits frères qui arrivent. Si on dit superstar à un spectacle, achetez les tickets au maximum pour que la rentabilité revienne à vos artistes. C'est ce qu'on vous demande. Donc, vraiment, en ce sens, et si Amour a aussi un spectacle? Amour a un spectacle, n'hésitez pas. Payez, allez regarder le spectacle. Et si Azio a un spectacle? Azio a un spectacle, allez-y. Comment c'est un spectacle? Allez-y. Rogue a un spectacle, allez-y. Quand nous faisons clash en nous, c'est pour que demain, là, vos petits frères là, qu'ils ont fait pour qu'ils puissent s'occuper d'eux. Ça ne sert à rien de faire des querelles inutiles. On a trop souffert, au lieu de perdre du temps, on a bien se réconcilier. Donc vraiment, ça ne veut pas dire quelqu'un d'autre. Il faut que nous montions de poser les pas pour que les gens viennent nous viennent en aide. Je dis merci à nos cadres de chez nous, à Aimé Gognon, le capitaine Gognon, qui a toujours été là pour nous. Je dis merci à Keshi, je dis merci à M. Daf Téflan, vraiment qui a toujours été là pour nous. Je dis merci à Alain Noka, je dis merci encore à M. Kadé Félix. Et je n'oublie pas aussi tous nos mamans, à chaque moment, quand on dit Amora Abidjan, qui nous invite ici, docteur Taou, ce monsieur-là même là, il ne sait même pas comment lui faire, et puis il a toujours été disponible pour nous, malgré son programme chargé. Tu l'appelles aujourd'hui, il est là. Moi, je dis ce qu'on avait fait, il a participé à ça. Il faut aller maintenant, il faut partir, si c'est chaud, appelle-moi. Donc, grand frère, merci beaucoup pour ce que tu fais pour l'artiste. Amora vient à Abidjan bientôt, pour ce qu'on a dit, là, on va gérer. Tout à l'heure, il dit à M. Pays Marius, merci beaucoup, grand frère, pour vraiment le calme et vraiment la maturité que tu as eue pour organiser le premier clash. Tu as vu mon ami Ubeno. Il doit avoir une heure, mais il n'a pas ton numéro s'il te plaît. Envoie mon ami boss pour qu'il t'appelle, on se voit maintenant, parce que j'ai rentré chez moi. Donc moi, je dis merci à vous, Gagna. Radio, ouais, merci pour tout ce que tu fais. Et merci à toute la diaspora, merci à tous les Américains, merci à tous les Coréens qui nous suivent de partout. Merci à tous les Ivoiriens, merci à tous nos parents, ouais. Je vous remercie, c'était mon mot de fin. Voilà, Olivier Taï, merci beaucoup d'être là. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons que c'est notre nouvelle émission, le Showbiz, ouais. Et très bientôt, nous aurons sur ce plateau le président Théo Béni Pénon. Et avec lui, nous parlerons encore du Showbiz, de beaucoup de choses au niveau du Showbiz, ouais, en général. Merci de nous avoir suivis ce week-end. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Voilà, maman Roseline Guenama, sois bénie. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Excellent week-end à toi et à la petite famille. Je voudrais vous encourager à avoir cette grande fidélité encore pour la RTPW, qui veut dire la Radio-Télévision Presse Ouest. Voilà, c'est le nom de notre structure, la Radio-Télévision Presse Ouest, abrégée RTPW, qui est aussi notre structure et aussi le groupe Info Gagna, qui est une pluralité d'activités, Nous sommes fiers de votre fidélité. On compte encore sur vous pour que 2021, nous rayonnons dans votre fidélité à nous. Je voudrais vous inviter
à vous habituer aussi à notre page officielle Gagna Télévision Presse Internationale. Ouais, vous avez aussi le groupe Info Gagna Presse Internationale. Ouais, vous avez la radio télévision Presse. Ouais, vous devez vous habituer aussi à nos pages officielles. En plus de votre fidélité à nos sous-comptes, c'est pour vous que nous travaillons. C'est pour vous que nous existons. Nous ne réfléchissons que pour vous. Comment faire en sorte que chaque jour, nous puissions apporter un peu plus vraiment à vous. Vous êtes pour nous sujet de notre fierté. Vous êtes notre raison de vivre, notre raison d'exister au cœur de la communication. Et c'est pour vous que nous disons toujours, nous sommes là pour provoquer ce qu'on appelle une révolution qualitative en termes de communication pour le bonheur du peuple. Ouais. Je voudrais aussi vous dire que la radio-télévision Presse, ouais, le groupe Info Gagna, nous travaillons dans tous les domaines. On s'intéresse à tous les aspects, que ce soit la politique, que ce soit la culture, que ce soit au plan, si vous voulez, au plan politique, au plan culture, au plan artistique, au plan sentimental, au plan religieux, au plan religieuse, que ce soit la religion. Nous ne sommes pas là seulement que sous le volet culturel et artistique, Gay Maï le sait. Voilà. La politique, on est là-bas. Le sport, on est là-bas. La culture, on est là-bas. Le domaine sentimental, on est là-bas. Sur tous les plans, nous sommes là. Alors, merci chez vous. Passez un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Suivez beaucoup nos émissions radiophoniques, nos émissions télé. Lisez beaucoup toutes nos publications. Et nous voulons vous inviter à nous inviter partout où vous avez des cérémonies, que ce soit des mariages, que ce soit des baptêmes, que ce soit des anniversaires, que ce soit des meetings politiques, des meetings, des cérémonies religieuses. Tout ce qui peut être cérémonie au cœur du peuple ouais. C'est notre travail, parce que tout simplement, le peuple ouais, notre passion et ses activités, notre quotidien. C'est sur cette belle note que nous allons dire au revoir. Bye bye chez vous, voilà, je vous dis au revoir avec...